Alors, je vais commencer par un petit protocole qu'il est d'usage de faire sur les terres aborigènes et remercier et rendre hommage aux gardiens traditionnels de la terre d'Australie et reconnaître et rendre hommage aussi aux anciens, passés, présents et futurs et ceux qui nous accompagnent aujourd'hui. Je fais une courte présentation me concernant. J'ai travaillé pendant 10 ans en tant que camerawoman et réalisatrice documentaire avec différentes communautés aborigènes. Et j'ai pratiqué une fois une séance avec Steve de guérison avec sa pratique holistique qu'il appelle la cinétique holographique. Il remonte les boucles du temps pour soigner les traumas et il fait ça depuis de nombreuses années. Il a été reconnu et récompensé en Australie pour son travail sur les prisonniers, les soldats de la guerre du Vietnam, la nature aussi, les animaux. Donc voilà, il va vous expliquer tout ça. D'abord, je vais lui demander de se présenter. Steve, if you can present yourself. If you want to present yourself through the story of your grandmother and your mother, if you think it's Explaining where this has come from, are you referring to? Yes. Okay. We've got to look back at understanding what was known as the White Australian Policy. The White Australian Policy was to take away the children. It was called Stolen Generation. When they took away the children, then the knowledge that was passed from father to son over a lifetime was lost. The old knowledge could not be passed on. Today, most of that knowledge is lost. My grandmother, my great-grandmother, was taken away at the age of 8 by Australian Aboriginal Protection Agency. Je préviens aussi tout le monde que je n'ai jamais fait de traduction en live, je ne suis pas une professionnelle, donc je connais un peu le sujet, je vais retranscrire ce que vient de dire Steve et qui est très important. Pour ceux qui ne connaissent pas la génération volée, Steve est un descendant des générations des enfants métis aborigènes qu'on a enlevés pendant des décennies pour blanchir la population. Et donc, les savoirs traditionnels aborigènes qui étaient passés de père à fils à travers des cérémonies ont été perdus. Ils ont été aussi déplacés parce qu'ils sont complètement reliés à leur terre. Et donc, la politique d'assimilation les faisait se déplacer pour qu'ils perdent le lien, leur connexion à leur terre d'origine. Donc, Steve, en fait, a récupéré tous ces savoirs à travers sa grand-mère qui a été enlevée à l'âge de 8 ans. Elle a été achetée par un colon en échange de peau de mouton. Et j'avance un peu sur l'histoire. Sa grand-mère est décédée en donnant naissance à sa mère. Alors, il vivait dans un contexte de mission chrétienne, mais il y avait toujours des aborigènes traditionnels qui étaient dans ces missions et qui travaillaient. Donc, ils ont pu récupérer quand même des savoirs. Et donc, la mère de Steve lui a donné certaines connaissances et qu'il s'est aussi naturellement réapproprié. Voilà. C'est dans l'ADN d'être aborigène, peu importe la couleur de peau. OK, Steve, you can continue your story. OK, she was taken away at the age of 8 by Aboriginal Protection Agency. She was found at the age of 14 in horse shackles because they couldn't control her. She'd wanted to run away as a free spirit. So the drover who just sold the sheepskins to the general store, he bought her. Half the price of the skins. And she died at 15, giving birth to my grandmother. Now, because my grandmother never had a mother, the maids, servants, butlers, gardeners, clever men and elders took her under the wing and taught her the old ways. Now, as I'd grow up, my grandmother would sit down and explain the past and all the knowledge of the past that they had. By the time I was a teenager, My sister, example, my mother died when I was 15, lived there between the two. And my sister, she went on fostering Aboriginal children, but
But because her father was an American sailor, she had light skin, blonde hair, and we got in the sun and she turned pink and I turned black virtually. So what happened is that because she was fostering Aboriginal children, they called her white trash. That upset her. So she saw no point in Australia. So she put a car and a caravan on a ship and went to Africa. She ended up finding the worst place was Uganda. That was a place called Kinkum. And she opened what today is the largest orphanage in the world, up in Kinkum. They call her Mama Irene Gleeson, or in other words, the Lioness of Africa. She went to teach what she knew about our culture, and she turned the face of Uganda around. OK. Alors, il a mentionné l'histoire de sa sœur qui était aussi métisse. Son père était un marin américain. Et en fait, elle était très blonde et elle rougissait très vite au soleil. Et donc, quand elle a voulu retourner dans des communautés traditionnelles, elle n'a pas été acceptée. Donc, elle a fui l'Australie. Elle est partie en Ouganda. Alors, on l'appelait white trash. It means trash, déchet. White trash, it means... ouais, bon, c'est un mauvais mot quoi, pour la qualifier. Elle était trop blanche. Donc, in Uganda, she worked in a hospital. Donc, elle a développé des hôpitaux là-bas en Ouganda et elle a soigné des milliers de gens. Et c'est à ce moment-là qu'elle a été reconnue par l'Australie. She has been awarded by the government. She was awarded Order of Australia. Elle a été reconnue par l'Ordre d'Australie du Mérite pour son travail. Voilà, donc c'est pour dire qu'il y a vraiment un clivage de couleur de peau en Australie. Le gouvernement est toujours assimilationniste aujourd'hui et il différencie les gens et les persos, enfin les caractères à travers des un huitième, un cinquième aborigène, un quart. Et on peut demander un certificat d'aboriginalité là-bas pour prouver, si on est blanc, pour prouver qu'on est aborigène. Et donc, c'est très compliqué quand on est un aborigène blanc descendant de l'assimilation, parce qu'il faut toujours prouver qu'on est aborigène. Mais comme le dit Steve, et il va le dire après certainement, c'est 60 000 ans d'histoire, donc c'est dans l'ADN. Et OK, Steve. Yeah. Okay, thank you, Steve. Okay, so from my perspective, as a four-year-old, my mother and my grandmother, it was normal for them to understand the future. This was part of our culture. They knew things before it happened. And as a four-year-old, I started telling my parents the future. And when they asked how I knew it, I remembered the past. I remembered who I was, I remembered the past. By the time I was 8 years old, I could turn water on and make water go around. I put my finger under water, make water go around my finger without touching. By the time I was a teenager, I was doing mind magic. Now, no one ever taught me. It was in the blood. It was in our knowingness. And I wanted to understand more about, you know, our past and how does it work? What's the science behind it? It could be a science. So I spent 50 years of researching and putting together what today we call holographic kinetics. And to understand that man is actually a hologram of time. And we can access the fractals of the hologram of the past in the present, and we can change the future. Okay. Alors, en fait, à 4 ans, il a découvert qu'il lisait le futur, mais que le futur était aussi le passé, en fait. Il a découvert les cycles du temps. Et à 15 ans, quand il était un adolescent, il a commencé à pratiquer naturellement de l'hypnose sur les autres. Donc, il s'est aperçu qu'il avait une faculté à utiliser un certain pouvoir, qu'il appelle la cinétique holographique. C'est cette énergie extérieure et invisible à nous que l'on peut capturer. Et... sorry about holographic kinetics. So that's the energy around us that you can catch. So you can use it to
to access to the trauma. Okay. The real term behind this is it's two parts. One is dreamtime healing using holographic kinetics. Okay. If I go to a community, they understand dreamtime healing. If I talk about dreamtime healing to mainstream, they don't understand it. But they understand what a hologram is. So basically, everything in this universe is alive and you can communicate to it by talking to the nucleus of it, which is spirit, which is light. And when you access that nucleus, it tells you how, where, when, and why anything was ever created. If you had a car accident, what would they do? They'd seal off the area and they'd look for the cause of that effect. If you had a train crash, they'd look for the cause of that effect. If you had a plane crash, they'd look for the cause of that effect. But mental health does not look for the cause of an effect. And the only way you can find the cause of the effect is by accessing the spirit of the being, because it knows everything back in time, every lifetime you've ever had, it can access. It can access the epigenetics up through time of the generations. And it can change the dimensions of time because everything is linked to dimensions. And a dimension can be for 1 second or it can be for thousands of years. Yeah. En fait, la connaissance, donc les aborigènes avaient la connaissance de ces voyages dans le temps du rêve. Qui permettait d'accéder à différentes dimensions. Et en fait, dans leur connaissance, donc la cinétique holographique, c'est une science derrière la connaissance qui permet d'accéder à la cause des choses, à remonter le temps, les boucles du temps, que ce soit dans une dimension très proche ou très lointaine, il y a 1000 ans en arrière. Donc, dans leur conception, l'esprit est à l'extérieur du corps, dans une autre dimension temporelle, mais on peut y accéder pour changer à l'intérieur de nous les choses. Il a fait aussi référence au cycle du temps. Tout ce qui se passe maintenant est déjà arrivé, se reproduira, à moins que nous le modifions. C'est ça, cette conception du temps du rêve qui utilise la cinétique holographique. C'est l'idée que tout est hologramme. Toute intention, toute pensée est vivante et crée un hologramme dans sa propre dimension. Et il faut accéder à son esprit pour pouvoir et accéder à la cause du trauma. Il faut demander à l'esprit pour accéder à la cause de cette mémoire pour la libérer. Donc, il faut remonter le temps. J'espère que je suis claire. Oui. Merci. Ah oui, et il a dit effectivement, donc cette connaissance très ancestrale n'est toujours pas aujourd'hui reconnue dans la médecine traditionnelle ni la médecine de santé. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes mentaux, enfin qui sont qualifiées comme ayant des problèmes mentaux, alors qu'en fait il suffirait d'accéder à l'entité qui a été créée par une pensée ou un choc dans le passé pour pouvoir la libérer, l'amener dans la conscience. Ok, Steve, if you want to continue. Okay, to understand that a little bit more as a hologram, you know, spirit is light. But if we go to the next fractal of the hologram, the next level up, the sun is a ball of light. That's just the next fractal of the next hologram. And beyond that is another, bigger and better. So what happens is our culture was always aware, and they called it all life is created by the rainbow serpent. That was our cultural understanding, 60,000 years of knowledge. Well, they were true because this is how it works. Our sun, the only religion they call it the Trinity, the Father, the Son, and the Holy Ghost. The Father, the Son, holy above. In other words, the ghost is spirit above, a ball of light. It lets out electrons around the earth. They condense up in the North Pole and down the South Pole. And when they condense in the form of the Aurora Borealis or the Aurora Australis. In the Southern Hemisphere, from Melbourne and across into Western Australia, you'd see the aurora. It's a rainbow in the sky, just like a serpent. And it's the first form of matter in the form of light.
which is the beginning of life. 60,000 years of knowledge, they knew that. So we take that to the next level. And now we take the bigger fractal down to the smaller fractal. Your thought, a ball of light, a nucleus, captures energy from the sun. It spirals around it. It gets programmed. It gets locked into a molecule and gets trapped in the soul. The soul are the cells. So now it's trapped in the cells as a soul. A thought becomes a thought form. A thought form becomes a life form. The universe steps in and says, you cannot destroy this life form, for everything in my universe has a right to survive. You are the host. Feed the baby. If it's anger, then it will reproduce anger as it's growing through time so it can feed itself. You're the host. That thought becomes a thought form, becomes a life form, and eventually becomes an internal entity where it takes over as compulsive disorder, bipolar, schizophrenic. You can label it what you want. It's intelligent. It's alive. Donc, il a fait référence. I'm not quite sure about the sun. Yeah, the sun is a form of light. It leads to the holograph. It is the form of light, and the sun is a big form of light. Okay. It's rainbow system. Il a fait référence au rainbow, au serpent arc-en-ciel, qui est le totem commun à toutes les tribus et les nations aborigènes d'Australie. Elles sont toutes différentes, mais c'est le serpent arc-en-ciel, en fait, est à l'origine de la lumière. Et la lumière, I still don't get the sun, but anyway. Et la lumière, en fait, c'est un esprit extérieur qui a une forme physique dans le soleil qui nourrit la terre. Donc après, il a fait référence au pôle sud et au pôle nord et aux aurores boréales. Et borealis aurora are the rainbow serpent actually. Yes. Especially the southern. On peut voir le rainbow serpent à travers les aurores boréales, spécialement dans l'hémisphère sud. En fait, là où il voulait en venir dans cette explication, c'est que en fait, tout vit, tout a une forme vivante, existe même dans l'invisible. Et donc, tout a besoin de survivre et d'être nourri. Donc, à partir du moment où on ne respecte pas les lois de l'univers, par exemple, on a un accident de voiture, on tue une personne, cet esprit a le droit de sauter dans le corps de la personne qui a provoqué l'accident pour survivre. Elle prend possession. Donc, Steve travaille énormément en fait, sur les formes de possession que l'on peut avoir. Ça peut être un animal, enfin, on peut être possédé par tout un tas de choses, des animaux, des idées, des esprits errants, parce qu'on est lié karmiquement quelque part à ça. Si on a provoqué quelque chose, on a déséquilibré la loi de l'univers. Et donc le seul moyen de s'en libérer, c'est toujours de passer par l'esprit. Et il fait une différence entre l'esprit et l'âme. L'esprit est donc à l'extérieur, c'est là où on peut revenir à la cause des choses. Et l'âme, par contre, qui est en nous, contient en fait, a des cellules en elle, et elle contient toutes ces entités que l'on apporte dans sa vie, suivant ce qu'on mange, si on prend de l'alcool, si on prend de la drogue, si on tue un animal, on est habité par tout un tas d'entités, on est colonisé. Et souvent, la médecine traditionnelle donc, prend en compte les problématiques de l'âme, ce qu'il y a maintenant dans le moment présent, alors que le travail de Steve, c'est de remonter à l'esprit pour remonter le temps et accéder directement au moment où le corps a été possédé par une autre entité. Ouais. Il insiste bien sur que chaque pensée est vivante. Et créer une pensée animée d'une émotion crée une entité vivante. Et cette entité, elle a besoin d'être nourrie et de survivre. Donc, elle va de toute façon, c'est la loi de la nature, chercher un hôte.
Okay, Steve. I think I've got all. Again, to understand that again is that we know you have a forward, you have a backwards, you have a left, you have a right. There's always an equal opposite in this universe, and the nodal point is the point zero. So what happens is you have an external world to an internal world is the soul. The spirit came in at the moment of conception, the spark of life linked to your heart. It's a drive of the vehicle. It's here from the internal world to the external world. It says, tell me what you want and I'll rearrange the universe for you. But we have forgotten to tell it what we want. We allow the soul to run us. Now, in Aboriginal communities, what would take place is everything was about acknowledging the spirit, the trees, the rocks, the plants, the animals. Before we made a canoe, we'd ask the spirit of the tree if we could cut it down and said no. But the old fellow over there, he don't mind. So they go to the old tree and he's ready to evolve and they cut him down and make a canoe. Before they killed an animal, they'd sit around the campfire, telepathize with spirit, and they'd ask the spirit of an animal to donate itself. The next day, there's your lunch. If I kill the animal without permission, I violate law. That means the animal can continue living in my body. It can jump me. And I end up with Tourette's, barking like a dog and clucking like a chicken. Okay. We go and take out the animal spirit. En fait, c'est pour ça qu'il était d'usage traditionnellement dans les communautés de demander télépathiquement à un arbre de pouvoir le couper. Des fois, l'arbre répondait non, alors on demandait au prochain qui disait d'accord, ou on parlait à l'animal avant de le tuer. Pour justement ne pas être colonisé par l'esprit errant, pour ne pas casser cette loi de l'univers qui est, il a donné une image toujours en balance et qui cherche toujours son point zéro. Donc l'univers, cette espèce de grande conscience qui englobe tout et qui cherche toujours son point d'équilibre. Donc les aborigènes sont très très traditionnels, les tribus qui restent traditionnelles continuent vraiment de respecter cette loi de façon très très fermement. Et donc il a aussi exprimé le fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui il a donné un exemple. Il y a des gens qui par exemple ont le syndrome de Tourette, il a donné cet exemple là et qui caquettent comme des poulets ou qui aboient comme des chiens, parce que c'est des gens qui ont été en fait colonisés par l'esprit d'animaux. Et ok, l'esprit donc est le seul qui est le seul qui donne accès, en fait. Il ne faut pas se contenter de parler à son âme qui, elle, est complètement sous emprise et qui a oublié la connexion à l'esprit. L'âme, en fait, guide le véhicule et c'est à l'esprit qu'il faut parler à l'esprit pour pouvoir se libérer. Connecter à... Voilà, c'est deux choses différentes. Quand on se connecte à l'esprit, on lui permet de rentrer en nous et de, voilà, de nettoyer le... Faire le nettoyage. C'est parfait. Thank you, Steve. Maybe I can we talk about the water, if you don't mind, the work you have done, the water. Sure. Well, if we take water and we have a little water, everything's alive. So every single drop of water is really a life force essence. It's alive. If I was to take homeopathy or isopactic frequency, then I can take water one part per million. With one drop of a frequency into the water, and it'll tell the rest of the water. It'll pass. And that's how we take homeopathy. That's how we take isopathic frequency and drops one part per million, and it rectifies the body, because water's intelligence, just like everything else that's alive. So we actually had an incident with water where I'm fully aware most of you are aware of Mr. Masuda Emoto and the water crystals. Well, they had a problem over in Japan and they contacted me, wanted me to go to Japan and teach them. But, you know, at this stage, no, too many things on my plate. But I said, we're going to do an experiment. So what we did was I asked them to get some tap water where the problem was and put the tap water in a vial on their desk in Japan, which they did. I surrogate the tap water into one of my students 3,000 kilometers away. And I'm talking to the water.
It's talking to me through the student. It told me I had the problem with the water, what it was. It told me a few other things, and it said, you need to take more photos of me and you need to look closer at me. So after we finished talking to it, we gave it love and appreciation and we sent it back to Japan. So I'm going to show you when they did their thing in Japan. This is before and this is after. This is before, this is after. This is before, this is after. Steve, could we go further? Sorry, Steve, while you hold up, could we explain what you had said so that... Okay, certainly. Moi, je pense que beaucoup parlent anglais, mais quand même. Donc, en fait, on lui a demandé au Japon de prendre un extrait de l'eau d'un robinet. On lui a envoyé, il était à 3000 km, et comme l'eau est une essence et un esprit vivant, il a parlé à l'eau, il a fait un travail sur elle, et l'eau lui a répondu de la prendre en photo. Et ça, c'est le travail qu'elle a obtenu avant, après. Before, can you show before and after, please? That's before, that's after. They've never seen tap water come out so crystal clear. And yet we're 3,000 kilometers away. Un cristal aussi. And again, that's before, and that was after. That's before, and that's after. When we go a bit further, we have before, and again, the after, before, and after. Now, this one here is interesting, and after. That one there, I said, we need another 4 or 5 hours. Because the fractals of the hologram are changing and the photos were too fast for that one there. Then we go over the other side here and on the other side, again, if you can see that clear, it's a bit hard, Okay, so. Là, il montre un point noir dans la gueule du milieu qui est carrément montré après, qui s'est manifesté comme se transmutant en lumière, en fait. On voit dans les... J'espère que vous avez vu. This one here, we show this one here before and after, but this is the interesting one here. It's actually showing us muck in a pipe. Voilà. It's not only talking to us, but it's showing us muck in the pipe. The water's intelligent and it's talking. And while we're communicating, it's communicating to us. So once we did that, they've never seen crystal water come out so crystal clear as what it did, and yet we're 3,000 kilometers away. Now, we did another experiment, and we said, get some creek water. So they got a bottle of creek water put on the table. We surrogate that creek water in. Now, without telling them, that water influenced them into taking 156 photos. And the water said to us, look closer at me. So we started blowing the water up and we're finding entities in the water in the form of life forms. Okay, I will try to translate this. How many? 156 photos. Okay. Ils ont pris 156 photos d'eau, different water, different bottle, de différentes bouteilles d'eau. Ils ont fait, c'était une nouvelle expérience, et en fait, dans chacune de ces bouteilles, il y avait une entité. And do you have a picture of them entities? Sorry. Do you have some picture of them entities, or just one picture? Of the entity presenting the bottle. Yeah. No, what happened is, I've got them in the computer there. I've got 156 photos, but they came together and we don't know the before and after photos. We don't know which is which in the next second of the photos. So we just blow them up every now and then, examining them in the whole. But what we find, what we find is the fact that everything in nature is alive and it's the nucleus. It's that little atom, the nucleus, which is a ball of light, which is alive in all living things. A tree can't be alive without a spirit because it's the essence of it. A blade of grass, it's a spirit, the essence. A cockroach, the spirit's the essence. It gives it life. But when the spirit departs, then things are dead. So with water, it shows me that you could take a dirty creek, you can talk to the water, you can change the water,
you can put it back in the creek and it can go through the creek and make changes. Ok, ouais. Bon, en fait, tout à l'heure, c'était une erreur, c'était 156 photos de la même bouteille. 156 photos avaient une entité à l'intérieur. Donc, il répète que tout a un esprit. Une fois que l'esprit sort du corps, que ce soit une herbe, un animal, n'importe quoi, le corps est mort. Et que tu peux prendre juste un morceau d'eau qui a été guéri, à qui on a changé la fréquence, en fait, et le remettre à la rivière, et ça va nettoyer toute la rivière. Ok. Bah, peut-être que Marc, oui, Marc, peut-être qu'on peut avoir des questions des gens. If we take it one step further and we look at our body is 80-90% water. So watch this. If I crystallize water, it turns to ice. So when I'm hanging on, it's a solid, don't tell me, you're hanging on, you crystallize cells in your body that turn to arthritis, rigid solids, because the water's gone to ice. The ice has to go back to water and the water to steam to pass between dimensions. Okay, I will try to get this. If you are... He's talking about rigid. En fait, on est donc constitué à 90% d'eau, les êtres humains, et que si on retient, on cristallise beaucoup les choses à l'intérieur de nous, donc si on retient tout, on ne s'autorise pas à se libérer des mémoires. And to release those, anything negative, tout ce qui est négatif, en fait. Ah oui, on doit que comme l'eau doit passer à l'état de vapeur quand elle est sous forme de glace pour atteindre. Donc tu vas comme juste pour ok, parce que comme oh ouais, ok, d'accord. C'est pour laisser le flux en fait de la vie en nous se libérer le flux, laisser l'esprit en nous. De la même manière que l'eau glacée se transforme en vapeur, il faut que nous-mêmes ne gardions pas, ne cristallions pas, ne pas cristalliser les choses en nous. What I'm thinking now, Steve, it's we have not talked about the process really to if I have a session with you, for example. How are you going to process on me to release my memory, to get back on the time? Okay. What takes place is there's four parts talking. We have the ego, we have the soul, we have the spirit, and we have life forms. Everything based down to four. You've got to know who's talking. When I access the person, I don't want to talk to the spirit, not the rest. Because you can be in headspace, that's the ego, analyzing everything, nothing will change. You can be in the soul. I remember when I was 5 years old, the soul remembers the experiences. The spirit is instantly there at that moment of time. And it'll bring up the issue. And all of a sudden, it's not there 5 seconds ago. It just comes up. It's there. Then we go in, we look at what happened, and it could be lifetimes ago. You're there reliving it. And once you're back there reliving it, we then loop time, change time, and replace time. To understand that, we live in a multidimensional world and we are multidimensional beings. We live in a past, present, future example. The last step's your past, the one you now is your present. And the next step, do I go forward, left, or right, is my future. If I didn't have three dimensions of time, I'd be frozen in time. I'll come back a bit further. Do you want to pass that on? I'll explain a little bit more in a minute.
Bon, bah, il dit qu'on vit dans le passé, dans le présent, dans le futur en même temps. Hein, ça, c'est la philosophie aborigène. Et qu'on est constitué d'un ego, d'une âme, d'un esprit et d'une forme physique. Et il insiste sur le fait qu'on ne peut passer que par l'esprit pour remonter à la source des choses. But you talk to the people when you talk to the spirit, to the person. I'm talking to the person on the table, but I'm accessing their spirit and I'm talking to their spirit. Ah, it's talking back to me and the body. And you ask the authorization, you ask the spirit to allow you to access this kind. We need permission from the person and permission from their spirit, because the universe is based on mass and geometry. And we're integrating the mass and geometry to get the permission to take control of the dimension of reality. Okay. Donc on doit, voilà. There are laws, and you must follow the laws. Il y a des lois universelles qui fait qu'on ne peut pas pénétrer une dimension sans demander l'autorisation de la personne et à son esprit. Donc, il travaille en fait, il met les gens sous hypnose en fait. Et ouais, donc il demande toujours l'autorisation à l'esprit pour ne pas déséquilibrer les forces de l'univers. Et il y a certaines dimensions qui peuvent résister. J'ai fait une séance avec, donc je me souviens. On demande à chaque dimension qu'on traverse, à chaque trauma qui apparaît, on demande l'autorisation, voilà, de rentrer et de libérer l'hologramme créé, l'entité vivante qui continuait de vivre, même si elle vient d'y aller là en arrière. To understand again, you can understand the hologram. And because I have a past, present, future here, I had a past, present, future here in the past, déjà vu. It's all preordained. There's nothing new under the sun. It happened in the past, happened in the present, and it'll happen in the future, past, present, future, future. But if I, in the present, change the past, I create a new future from today on. Do you understand? Oui, en fait, on est bloqué dans le cercle du temps si on n'est pas conscient qu'on peut changer à partir d'aujourd'hui ce qui s'est passé avant et ce qui aura un impact dans le futur. En fait, c'est qu'à partir du moment présent qu'on peut impacter le futur. Voilà. Et donc, c'est vraiment mettre à la conscience les choses qui nous traversent et qui nous habitent ou qui nous contrôlent pour pouvoir se libérer de... Can I say karma, actually? It is a kind of karma if we are blocked in the circle of the time. Say that again. I'm not quite with you. Do you use the word karma to explain? Karma is universal knowledge. It's to compensate for imbalance, to bring it back into balance. Okay. So everything created, just say example. If in a past life I'm violent to my children, then I will be born to parents violent to me, because I created that reality and I must experience that reality for balance. Oui, en fait, le karma, comme les cercles du temps, permet de remonter dans le futur, dans le passé, qui lui-même a aussi un passé, un présent et un futur. En fait, les lignes de temps sont infinies. Et tant qu'on n'a pas... tout se reproduit, tant qu'on n'a pas amené à la conscience, tout revient. C'est de façon cyclique. Le passé, le présent et le futur reviennent jusqu'à ce qu'on mette au jour quelque chose qui doit être libéré, une cristallisation qui doit être libérée. Donc, c'est à peu près les mêmes... Le karma, for me, the karma is like, it's to explain the circle of time, the repetition. I use this word. That's it, complete. The sun, the galaxy, the earth around the sun, the moon around the earth. Everything is time, is cycles. Everything is cycles. Right, so once locked in, cycles of similarity reproduce themselves through time. Until we go back to where they were created. Right.
We externalize them off the time track and we change time. And that changes. To understand that again is the spirit. Like you look at a body and you see one body. I'm aware there are seven of you. Six invisible bodies, one visible body. They're coming in this way. They change at right angles, physical reality. Now, when you go with what's known as the Nungari, they're the Aboriginal healers. They go into the invisible body out here and they're rectifying the invisible bodies that flow onto the visible bodies. First invisible, then visible. To make the thing clear, the healers, the Nungari, they can check the seven bodies of the six body of invisible. And les healers, les médecins traditionnels aborigènes qui sont appelés les Nungari peuvent accéder au corps invisible et donc pénétrer les six corps invisibles que l'on a pour guérir et continuent de faire ça aujourd'hui. So what happens is that if we take spirit, our culture has always been aware about the spirit. Whether it be a tree, a plant, everything's alive. And you can bring the spirit of a tree and have a tree talking out of somebody. You can communicate with everything in nature when you know how to do it. And that's the important part, is understanding how to apply these laws to communicate in nature, because there are no secrets in nature. Everything's known. And it's understanding how to access it. Donc, en fait, tout, c'est important de vraiment bien comprendre qu'on peut parler à tout dans la nature parce que tout est vivant et que c'est le seul moyen de... Oui. So, if we start to understand the cycles of time, out here, big cycle, that's where spirit is out here, in internal hyperspace. Before I even think it, it's there. Because that dimension is so fast, and it's called internal hyperspace. We can surrogate, which we do, we surrogate children from around the world in to people on the table. We work on them and send them back, and we get changes. Because spirit is linked to internal hyperspace instantly there. En fait, il peut travailler quand une personne est devant lui, il travaille avec tous les hologrammes, tous les esprits qui sont dans la sphère invisible de cette personne. Ça peut être un arbre, un enfant, tout ce qui constitue en fait sa communauté, on va dire, à travers l'espace-temps. Et il peut utiliser tout et les renvoyer dans l'espace-temps pour les. C'est du nettoyage quelque part. Amique, certains appellent ça comme ça. Donc, ils travaillent avec la globalité, la totalité des esprits qui sont autour des gens. So, with a human, as a hologram, each one of these is a fractal of the hologram, but each one of those has the same, but this, the hologram, is the next level. In other words, the hologram of the sun has all the memories of the fractals of all the other dimensions within it. When we change a fractal, it changes the hologram. Now, explain that first, and we'll go on to this next level. Le fait de modifier une fréquence sur un seul corps, puisqu'il est relié à la totalité et jusqu'à la source de la vie, il se réfère au soleil, juste de changer une fréquence a un impact sur la globalité. Voilà. Conception du monde global. So if we come back to the body, and out here's internal hyperspace,
Then the next one here is the infrared spectrum. And on the infrared spectrum, you know, we see molecular structure. We don't see an infrared spectrum. Animals do, we don't. But there are life forms in the infrared spectrum. Now, just say you're having sex and you're on drugs. Then you can open wormholes to other dimensions that can take over the body. And if you fell pregnant, you can become a breeder to other dimensions. This is a pregnant woman. Look at the gargoyle in there with the baby. Look at the gargoyle down here. Look at him there, the gargoyle. That's a scan of a pregnant woman. There's a baby. There's a gargoyle. As he is a teenager, he will grow 8 to 10 foot tall wings and demonic features in the infrared spectrum. And when mother says, "Why did you do that?" It wasn't me, mummy. Something made me do it. I hear that in the prison system all the time. People on drugs, something took over, it wasn't me. That's only one of many we are aware of. Donc, I missed all the beginning. Donc, je vais repartir sur la fin d'abord. Il a montré cette photo avec un visage assez monstrueux sur le fœtus d'une femme enceinte. Donc, comme il travaille beaucoup sur les prisonniers, les criminels récidivistes, il a vu ça des milliers de fois, en fait, ces schémas qui se répètent parce que la personne fait des crimes dont elle a même pas elle ne connaît même pas la raison qui la pousse à faire à répéter des choses, des mauvaises choses, parce qu'elle est habitée par des entités qui n'ont pas été libérées et qui, des hologrammes, des entités qui viennent d'autres générations, d'autres vies. Et so the beginning of the Okay. Et en fait, il a fait référence à aux prises de drogue, consommation de drogue et d'alcool, qui sont des portes en fait pour laisser entrer des entités négatives qui, voilà, qui s'imprègnent dans le corps et qui ensuite prennent le contrôle de la personne. If you research a little bit more on Vietnam. When Vietnam was on, they gave 18-year-olds, they gave them night goggles based on photons on the infrared spectrum, and they put them on machine guns on the helicopters. They're flying over Vietnam, and they see what they think are snipers, and they open fire. And these things attack the helicopters. They line themselves up, and they're shooting through them, shooting down other helicopters. It wasn't until they put cameras inside that they caught photos of these beings in another dimension. That's only one dimension. Donc, il dit que le monde en fait est rempli de dimensions et d'esprits que l'on ne peut pas voir dans le monde invisible, et qu'il fait référence à la guerre du Vietnam, qu'à travers les lunettes et l'infrarouge, les personnes arrivaient à voir des entités comme celles qu'il a montrées sur la photo. Et il dit que seuls les animaux en fait peuvent voir ces êtres invisibles. On ne peut pas les voir.